Pour Angela Merkel, le temps est compté. Ce jeudi s'achève plusieurs jours de négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates pour former une nouvelle coalition, nécessaire si la chancelière souhaite continuer à gouverner. Mais chaque parti demeure sur ses positions. Il y a face à nous de gros obstacles. Cette journée sera difficile, mais je vais l'entamer avec beaucoup d'énergie parce que nous savons que les gens attendent de nous de trouver des solutions. Les représentants de la CDU et moi-même travaillerons dans cet esprit-là. Werde ich heute arbeiten und werden alle Vertreter der CDU arbeiten. Herzlichen Dank. Plus sceptique encore que la chancelière, le chef des sociaux-démocrates Martin Schulz. Hors de question pour lui de servir de simple béquille aux conservateurs. Nous rejoindrons ce gouvernement à la condition qu'il accepte de bâtir une Europe plus forte. Il y a encore de gros obstacles sur notre route qu'il faudra dégager au cours de la journée. C'est pourtant bien les sociaux-démocrates qui seront les faiseurs de roi de ces négociations. Un nouvel exécutif pourrait alors diriger l'Allemagne à partir du mois de mars.